Tafoje mie funa wetsu bagajiti bagajiti. Dafo premier funa wetsu bagajiti bagajiti. La reine Niamedian Doris. Écoute ton fils. Tu t'adosses sous la voiture. Tu vois pas que tu me menaces les amortisseurs. Tu es désolé, tu es obligé de t'adosser sous la voiture. C'est toi qui portes les faits. C'est pas les faits qui te portent. Recule-toi, ne me fais pas la peinture. On t'y aime pas, tu recules doucement. Si tu tombes sur le poteau là, tu vas me couler ça. Mon boss. Mais que l'autre vous. Reculez. On appelle des mécaniciens, ils font 2 jours avant d'arriver. Ah, ça c'est quel pays ça? Un pays indiscipliné plus que tout. On appelle des mécaniciens, des gens qui sont là pour travailler. Ils font plus de 2 heures avant d'arriver. Et toi, tu ne peux plus faire aucun effort. Tu es là comme un robot. Tiens. Grand maître, c'est quoi? Maître. Bonjour, mon frère, comment? Ok, bon. Oh, mec, il y avait une voiture, un Hyundai ou ce auto, c'est quoi? Bon. Il y a des bougies. Que c'est pas encore bon. Ici, là, il manque lui d'arachide. Hein? Là. Ah, mon Dieu! Tu aimes le sale? Vous voulez casser les voitures? Hein? Passons un peu. Non, laisse. Passons un peu, mon appétit. Le casson, c'est la tour. Tant que. Là, c'est bon. Le casson, c'est arrangé. Là, c'est bon. Le numéro, c'est un problème. Il manque LT, long littoral. Hein? Ok. Bon. Là. Ça, là. Sang. C'est pas bon. Donc, on passe sang. Là, maintenant, comme sous là. Tout ce qu'on a dit. Voilà, j'ai oublié ici, là. Tu vois. La batterie, c'est. Regarde, tu vois, le son c'est pas bon. Regarde. Là, c'est pas bon. Faut que la batterie bouge un peu. Donc, quand la batterie part comme ça, la batterie part comme ça là. Tu comprends, non? Ok. Bon, là maintenant, ce qu'on a fait, mon petit, pas appeler le monsieur défaut. Va tout en monsieur défaut que le mécanicien ne l'a pas. Donc, les pans qui sont aussi là, la batterie aussi, regarde, le bus n'est pas sorti. Écoute, comme ça, ça n'a pas fait ça. Même. Ici là, attends. Il y a une bougie qui pète parce qu'on est ça, donc ça ne brûle pas bien. Même les garanties ici même, parce que ma femme n'est pas, on a les mêmes des amis avec elle. Bon. Le capot c'est là, je vais gâter. Oh, ne me casse pas le capot. Que tu as fait qui? Bon. Viens, monsieur de Foucault, je suis venu là. J'ai commencé à commencer beaucoup de panne. Quand il peut venir, il vient. On avance. Hein, mon petit. Va un peu l'appeler, monsieur de Foucault. Monsieur, aussi monsieur de Foucault. Qui? Aussi monsieur de Foucault, aussi mon patron. Mon Dieu! C'est pour ça. C'est comment on fait? Bon, viens, je te dis, viens. Touche le doigt. Touche le doigt. C'est en panne. T'as fait la peine comme ça? Donc, vous êtes qui, monsieur? Responsable. C'est comment mon frère? Bon. Comme je disais, des fois quand tu peux avoir la voiture au carrefour, viens-y, comment qu'on fait là? Tu transpires même. C'est que la bête, tu transpires. La vie, c'est comme ça, un peu. Je ne crois pas que c'était tout à ciel. Je ne sais pas. Bon. Quand nous sommes là, il faut qu'on crie d'abord.
tout le bord comme ça, entre les voitures comme ça là. On passe, tiens un peu les films de Mikonak. On passe un peu la voiture comme ça là. Donc, on passe un responsable. C'est pas le mal. Vous faites votre travail. Donc, entre tout ça comme ça, faut qu'on garde sur le bas. Je suis arrêté ça. Quoi? Arrête tes conneries là. J'ai arrêté. Casse ça. Il fait quoi? Casse ça, on va pas te dire. Tu fais quoi dans la vie? Monsieur mécanicien. Depuis quand? Mais attends un peu. Depuis quand c'est né? Tu sais avec qui tu échanges? Oui. Tu coules la saleté sur ma bouche? J'ai fait ça. Monsieur, vous l'avez fait. Mettez-le, assois-toi là. Où? Monsieur, si vous... Assois-toi là. Pourquoi? Attends un peu. J'ai fait quoi? Vous coûtez la voiture, goûtez l'eau dans la voiture. Tu es mécanicien? Laisse-le. Il ne bouge pas de là. Reste là. Il faut quoi? Tu ne bouges plus de là. J'ai beaucoup mon père aujourd'hui. Ça quand dit que ma... c'est contre la marche que j'ai aujourd'hui. Hein. Ah, c'est pas possible. Il t'aide la voiture, tu t'aides la voiture de qui? Tu t'aides ma voiture, tu t'aides quoi? Qui t'a envoyé ici? Mon patron. Tu fais quoi dans la vie? Reste sur place. Reste sur place. Ah, pardon. Ton nom m'a tapé, c'est pour rien. Vas-y, mon patron, c'est là. On m'a tapé. Vas-y, mon patron. Bonsoir, patron. Bonsoir, boss. Bonsoir. Oui. C'est toi qui avais dépanné ma voiture la dernière fois, non? Oui, c'est bel et bien moi, patron. C'est toi qui as le garage. Tu as garé ma voiture là, il y a un gars, les camions. Oui, c'est moi, sous-op. C'est moi, le mécanicien. Et lui, c'est qui? Ah, c'est mon apprenti. C'est ton apprenti? C'est mon apprenti, patron. Tu sais ce qu'il vient de faire là? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu sais ce qu'il vient de faire là? Il tâte ta voiture. Il goûte l'eau. C'est mal fait. Mais on a mis le sel dans le radiateur. Il n'est pas bien. Non. Il retire la jauge. Tu vois comment il m'a sali. Je m'excuse vraiment, patron. Je suis désolé, vraiment. Je m'excuse désolé, vous aussi. Patron, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Je vais te frapper, tu vois. Tu fais quoi? Bon, c'est mon âme. Dans ma tête, je sais que c'est un fou qui est arrivé là. Non, il y a... Parce que depuis là, je l'observe. Il dit tac, il dit que la batterie ne s'écoule pas. La batterie s'écoule dans une voiture. Il ouvre ici, il goûte l'eau. Non, tu fais d'abord comment pour... Calme-toi! Quand je marche, c'est toujours comme ça. La marche, je me suis plus. Tu sais, que le pied, c'est aussi. Je m'attends, après, dit que... Tu te tais! Tu te tais! Tuez-moi, cette fois. Non, tu fais quoi ici? C'est quand tu fais ce que j'ai peur. On m'a dit qu'il y avait les pommes de voiture dans le. Il y a les pommes de voiture. Et tu fais quoi avec ma cravate? Parce que je suis porté comme ça là. Tu es porté comme ça. Tu connais pas que j'ai mariage tout à l'heure? Tu ne me pas ici pour vos problèmes de famille. Hein. Ton mari n'engage en rien. Et je peux te frapper un truc là. Tu fais quoi? Amène-le derrière. Pourquoi? Donne-moi ce monsieur derrière. Amène-le derrière, là où il y a les chiens. Ça va vous apprendre. Patron, il y a peine. Si quelqu'un est déréglé, tu lui mets dans les problèmes. Tu sais où il va finir. Blanc-le derrière, là. Patron, c'est pas parce qu'il n'est pas bien normal qu'on va aussi le traiter ainsi. Tu sais ce qu'il a fait sur ma voiture? Qu'est-ce qu'il a fait, boss? Tant, il baisse le capot, papa. Il me freine la peinture sur la voiture. On peut l'excuser, il apprend encore, il ne connaît pas encore. C'est ton problème, il est bloqué derrière. Va le surveiller. Merci, boss. Sur le coup, tout ce qu'on t'a donné. Je peux déjà diagnostiquer, patron. Un, la crime, tu mets à 16, ça ne prend pas, ça prend à 20. Tu démarres le matin, la fumée sort derrière. Il ne veut pas que la fumée sorte sous ma voiture. Est-ce que vous écoutez? On va rouler une voiture, comment non, patron? Il dit que la fumée ne doit pas sortir derrière. J'ai suivi, patron, j'ai suivi. Maintenant, quand vous venez dépanner une voiture, c'est une 4x4. Vous venez en soutien. C'est la Starlette. Patron, vous voulez qu'on... dépend la voiture, vous êtes là pour contrôler ce que je porte. Non, mais si ma femme, ça dit que tu arrives comme ça chez une personnalité pour dépanner une 4x4. Tu veux dépanner une 4x4, tu dois venir même en costume. Tu ça c'est quoi? Attends, le problème. Ça c'est quoi? Le problème, c'est qu'on a appelé, que c'est pressé, on a mis la pression. J'ai juste aussi, je me suis mis en route comme ça. Il n'y a pas beau job. Autant que je t'ai dépanné, mets-toi mou. Des millions, tu mets carrément
le sous-vêtement. Je m'excuse, patron, je m'excuse vraiment. Excuse-toi la voiture. Je m'excuse, c'est chez vous qui m'excuse. C'est la voiture par le patron. La voiture d'un patron, c'est un patron. Même ma voiture, c'est un patron. C'est-à-dire que vous arrivez, c'est un palais. Et vous venez dépanner la voiture de quelqu'un qui est riche. Quelqu'un qui fait les affaires. Vous venez comme ça. Imagine que tu arrives ici, tu trouves le maire, David Cogne, qui est venu pour me rendre visite. Tu peux trouver les artistes que je reçois ici, de temps en temps. Comme le Fingonta, là. Comme tu peux trouver Mitumba ici. On a appelé, c'était tellement pressé. Je n'ai même pas pu mettre la main. On te sort, lève ta chaussure, la voix. Lève un pied. Je n'ai même pas... Enlève, tu me lèves sa voix. Et tu lèves sa chaussure. Donne. Plus que tout. Lève-toi l'autre pied. Tu veux me contaminer la voiture. Tu veux me contaminer la voiture. Mais patron, sans mes chaussures, je vais travailler comment pieds-nus. Tu ne sens pas les odeurs. Imagine si mes chiens sont dehors. Tu vas me contaminer les chiens avant de rentrer. Donc tu viens pour... Toi-même, tu es malade. Tu viens t'épanouir une voiture malade. Je m'excuse, patron. Qu'est-ce qui vous arrive, même? Patron, je m'excuse. Tu t'excuses. Le foulard, c'est pourquoi? Tu es bilingue? Non, patron. J'ai fait la teinture sur ma tête et de temps à autre, j'ai les nez. Donc vous êtes mécanicien, quelqu'un qui est censé travailler dans l'huile. Mets la teinture sur la tête. Tu es bilingue? Non, patron, c'est juste que j'aime la coiffure. Là. Déteste ça! C'est quoi ça? Les lors naturels. C'est qui? Les lors naturels. Mais c'est quoi? Tu viens. Voilà ça. Tu viens t'épanouir une voiture. Tu venais tirer. Patron. Ça fait mal, boss. Pardon, boss. Ça fait mal. Patron. Je vais couper tout ça. Patron. Ça fait mal quand vous tirez comme ça. Tu es pauvre. Tu ne supportes pas le mal. Merde. Ça marche avec vous aujourd'hui. Je m'excuse, patron. Diagnostique la voiture. Mets-moi ça à tête, non. Que relever, même. Une voiture en panne, tu es en train d'arrêter le foulard. Entre la 4x4 et ton histoire de truc. Je m'excuse, patron. Et tu avais vous qui avez appris la mécanicienne dans la rue, là. Pourquoi vous me secouez? On a été à l'école, patron. J'ai appris à l'école. Dénoncez-moi la voiture. Vous pouvez démarrer un peu, patron. Essayez de démarrer, voir. On ne peut pas diagnostiquer une voiture sans démarrer. Ça, c'est même Keja. Qui va s'en sortir avec lui? C'est tout l'argent, là, comme ça. C'est la malchance, même. Mon frère. Si elle savait, il venait même pas ici. Ah, maintenant, Nono aussi qui vient me mettre dans les... Forcez le contact. Que quoi? Vous forcez un peu le contact. Je force le contact. Oui, vous forcez pour qu'on essaie de voir si ça pour peut... Pour casser la queue. Ce n'est pas ce que j'ai dit, patron. Non, une voiture comme ça, on force. C'est pour voir si ça peut démarrer. Peut-être ça a mis long comme ça, a mis long au sol là. Si on force, ça peut prendre. Écoute-moi son français. Peut-être ça a mis long comme ça. Je peux pas frapper où nous. Ogua. Ogua, tu ris. Il ne rit pas, patron. Tu ris. Tu veux me casser la queue de la voiture. Ça, c'est quel sale type ça? Je suis mécanicien, donc je suis appelé à être sale, patron, parce qu'il travaille sur la saleté. Tu as déjà fait la cellule? Où faut qu'on parle de celui-là? Pour toi, tu. Pas encore, patron. Tu as goûté pour la première fois. Sécurité! Mais patron, je suis venu pour dépanner votre voiture. Non, tu es bloqué, non? Amène celui-ci derrière. Attends. Tournez-toi. Tu viens dépanner une voiture en Bermuda rouge. Tu crois que c'est les rites? Tu viens dépanner la voiture de qui en Bermuda rouge? Je m'excuse, patron. Tu as un buveur de sang? Où tu me tiens? Non, patron. Amène-le derrière. Porte-le. Que ces deux pieds ne touchent pas le sol. Porte-le. Amène-le derrière.
Vous allez voir là où vous allez finir. Je serai habillé pour vous. Sécurité. Ils sont bloqués, non? Ils vont comprendre. Quand on appelle, je suis une personnalité. Imagine un désordre arrive. Qu'on est en train de recevoir, par exemple, le maire David Kanye. Qu'on est en train de recevoir le roi Arthur Kanye des États-Unis, qui sont mes amis. Monsieur le patron. Ou le pape qui le président, le monsieur qui a Adi Group. Ça va finir comment? Pas bon du tout, patron. Est-ce que vous savez que le monsieur Sissoko Fonga Focalypse me visite de temps en temps? Et c'est la même voiture ce qu'il a. Justement, et tu laisses qu'un fou me diagnostique la voiture. Et tu dois le calmer. Je l'ai calmé. Tu dois... Que tu as fait quoi? Je l'ai calmé, patron. Que tu as fait quoi? Je l'ai calmé. Tu fais trop la force, non? Non, patron. Tu es là pour ma sécurité, laisse qu'un fou tout sur la voiture. Patron, je ne savais pas. Toi, tu as goûté ça sur la tête, comme tu dis que tu es trop fort là. Et te frappe, c'est un truc. Non, Tato. Un malade. Ça ne se ferait plus, patron. Tu me veilles là, sur la voiture. Il ne veut pas les poules. D'accord, patron. Tu, par exemple, comme des chiens voyous, des clignes, il y a un qu'un chien prend le caillou, les poules là, tous les poules qui passent là. C'est à moins de tuer tout, tu jardes. Je n'ai encore la personne. D'accord, patron. Pas vite. Maintenant c'est comme ça, et pour rien d'un bout d'un. Maintenant c'est comme ça, on ne fait même plus les pleurs.